Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anne-Célia Feutry, je suis la directrice exécutive et doyenne par intérim de l'École d'affaires publiques. Je suis très heureuse de vous voir ce soir si nombreux pour cette rencontre et je suis également heureuse qu'ils reviennent à l'EAP d'animer cette rencontre. Alors, j'aimerais commencer en vous précisant ce que cet événement n'est pas. Il n'est ni un forum, ni une tribune, il n'est pas celui, non plus celui d'une parole institutionnelle. Il n'est pas un lieu générique d'expression ou de manifestation. Nous sommes collectivement, en tant que membres des différentes communautés de Sciences Po, ici représentées, les hôtes de nos invités ce soir en Boutmy. Les règles d'hospitalité communes ou élémentaires s'appliquent donc. Nous laisserons la parole à nos invités pendant 45 minutes environ, j'interviendrai le moins possible, et nous vous donnerons la parole dans les 45 minutes restantes. Des micros seront à votre disposition si vous souhaitez poser des questions, dans le respect bien évidemment des intervenants et de l'esprit de cet événement. Alors pourquoi le rappel de ces règles simples ? Autant par principe, et j'ai envie de dire que parce qu'elles sont garantes de la qualité du dialogue de ce soir. Parce qu'elles tiennent aussi à la nature de ce que nous souhaitons vous proposer. Et au fond, cette rencontre a été pensée comme une conversation et non comme une conférence. Ce dialogue a une ambition humaniste, il n'a pas de prétention académique. Et il nous a semblé, pour ce premier événement d'une série qui vous a été annoncée, qui explorera d'autres dimensions, convoquera des universitaires notamment, nous avons eu l'intention de donner toute leur place aux subjectivités plutôt que de les évacuer. J'aimerais dire que la conversation est peut-être la forme la plus modeste et la plus fragile du lien entre les individus. Elle présuppose que l'on puisse et que l'on veuille se parler et s'écouter. Elle est l'envers de l'invective, le revers de la déclaration, de la sentence ou même de l'argumentaire, du langage calcifié en somme. La conversation tolère et a même besoin de flottement, de répétition, d'encouragement pour sortir des impasses, pour reformuler, nuancer, veiller à faire en permanence une part à l'autre. Elle n'a pas de script, c'est un essai oral, une tentative, un examen, une pesée des mots, en temps réel, sans le filet de l'écriture que vous connaissez si bien. Pour autant, la subjectivité n'est pas l'expression de passion qui refuserait toute forme d'intellectualisation ou de tentative d'objectivation. Elle devient en ce sens une exigence, une discipline presque, celle de faire l'effort de suivre l'autre, de ne pas l'interrompre, de donner la parole davantage que de la prendre et de garder la parole en mouvement. Les règles de l'hospitalité dont je vous ai parlé il y a quelques instants sont importantes car nos invités vont avoir besoin de votre écoute pour se laisser aller à cette conversation devant vous. Et converser n'est après tout, en tout cas à l'origine, rien d'autre que de vivre avec, au moins pendant une heure et demie, mais on espère bien sûr plus longtemps. Pour cette conversation, je voudrais remercier chaleureusement Kamel Daoud et Delphine Orwiller d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de venir en parler autrement. Pour nous dire tous les deux et ensemble quel est ce « en » dont on doit parler, ce qu'il recouvre pour nous en France en 2024, de quoi nous avons vraiment besoin de parler et sur quoi nous devons nous entendre. Vous connaissez tous les deux Sciences Po. Kamel Daoud, vous êtes le premier écrivain en résidence de la Maison des Arts et de la Création et vous enseignez ce semestre. Delphine Orwiller, vous êtes venue à plusieurs reprises à Sciences Po et vous avez prononcé la leçon inaugurale des premières années du campus de Paris. Vous êtes bien entendu connue de Sciences Po et au-delà. Et je rappellerai en quelques mots vos publications. Kamel Daoud, vous êtes journaliste et écrivain. De très nombreux lecteurs français vous ont découvert avec Meursault contre enquête une réponse à l'étranger qui a été récompensée par plusieurs prix, dont le prix Goncourt du premier roman en 2015. Vous avez écrit Zabor ou les psaumes et mes indépendances en 2017, ou encore Le peintre dévorant la femme en 2018. Delphine Orwiller, vous êtes rabbine et écrivaine. Vous avez publié de nombreux essais En tenue d'Ève, Féminin, pudeur et judaïsme, Comment les rabbins font les enfants, Sexe, transmission et identité dans le judaïsme. Vous avez dialogué avec Rachid Benzine autour des mille et une façons d'être juif ou musulman. Vous avez écrit Réflexion sur la réflexion antisémite en 2019, puis Comprendre le monde en 2020.
le rabbin et le psychanalyste, l'exigence d'interprétation, vivre avec nos morts en 2021, puis il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité l'année suivante, et très récemment, comment ça va pas, conversation après le 7 octobre 2024. Je passe à dessein rapidement sur vos profils publics, car je ne voudrais pas alourdir les attentes vis-à-vis de vous au moment de démarrer cette conversation. Donc, pour démarrer cette conversation, peut-être une question simple. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation ? Merci à vous pour vos mots. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Je suis très touchée d'être là. C'est moi où il fait très très chaud à Sciences Po, mais je le dis au sens premier du terme. Il fait très chaud ici. Effectivement, je suis ravie d'être là de retour parce que j'étais là l'année dernière pour la leçon inaugurale, donc dans un autre contexte, dans d'autres circonstances. Et quand j'ai accepté de revenir aujourd'hui, effectivement, je me suis posé la question, une question qui pourrait être résumée en une phrase, une question qui est « d'où tu parles ?». Vous connaissez cette expression, cette phrase « d'où tu parles ?». En fait, on oublie que ça vient... De mai 68, en fait, à l'époque des manifestations politiques, on demandait à chacun, au moment où il prend la parole, de dire d'où il parle, d'un point de vue d'engagement politique ou de classe socio-économique. Et c'est intéressant parce que rien n'a changé et tout a changé. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on prend la parole, il faut dire d'où on parle, sauf que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de dire ou de justifier ou d'expliquer d'un point de vue identitaire d'où on parle, quel est notre ancrage ethnique ou religieux ou quel, entre guillemets, camp ethnique ou religieux on soutient, comme si il s'agissait d'un match de foot d'une certaine manière. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années que je lutte contre des assignations identitaires. J'ai dû répéter, je sais pas, 10 000 fois ces dernières années que je n'étais pas que juive, que j'étais plein d'autres choses et que quand je prenais la parole, il y avait cette fâcheuse tendance à sentir qu'on réduisait ma parole à une parole juive. Il y a même un moment où je répétais constamment le même jeu de mots idiot, mais qui est d'occasion cette semaine, alors je le répète encore une fois, c'est que je disais qu'il y avait des Pâques juives et des Pâques chrétiennes, et moi j'aspirais à ce qu'on crée une fête du Pâque, où on se rappellerait qu'on n'est pas que quelque chose. Et j'ai l'impression que de plus en plus... on a cassé tous les œufs du paquet, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un moment où, particulièrement ces derniers mois, ces dernières semaines, il est très difficile quand on prend la parole de ne pas être réduit que à ce qu'on suppose être notre empathie absolument unilatérale ou sélective. Alors quand je me pose la question de pourquoi je suis là devant vous, aujourd'hui pourquoi j'ai accepté de venir, je me rends compte que la seule chose qui me donne, à mon sens, une toute petite légitimité à être là, c'est que ça fait des années que... Au cœur de mon engagement, il y a la question du dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire de dialoguer avec l'autre ? Ce dialogue, j'ai été amenée à le mener avec des gens avec qui j'étais d'accord et avec des gens avec qui je n'étais pas du tout d'accord. J'ai été amenée à le mener quand j'habitais au Proche-Orient, en Israël ou au Liban, avec des Israéliens, avec des Palestiniens, avec des gens avec qui je sentais des affinités, avec des gens avec qui j'en sentais pas du tout. J'ai été amenée à le mener ces dernières années dans le domaine interreligieux, effectivement, dans ce dialogue judéo-arabe et judéo-musulman qui me tient particulièrement à cœur. J'ai été amenée à le mener, et vous en doutez, dans le dialogue intra-religieux, qui bien souvent est beaucoup plus compliqué que le dialogue interreligieux, c'est-à-dire vis-à-vis d'autres juifs qui ne reconnaissaient pas ma fonction ou ma sensibilité progressiste. Et j'ai été amenée à le mener avec des gens pour qui j'ai une estime et une admiration immense, l'un d'entre eux étant aujourd'hui à mes côtés, Kamel, il le sait, a été et reste une voix extrêmement importante pour moi dans ma construction intellectuelle et particulièrement ces derniers mois dans ma possibilité de penser ce qui nous arrive. Je crois que la condition du dialogue, c'est toujours, si on devait la résumer en une phrase, l'acceptation que dans la rencontre avec un autre, on va être altéré. Au sens étymologique du terme, que la rencontre avec l'autre, elle peut potentiellement nous changer, c'est-à-dire cesser de nous faire parler avec des slogans et accepter que quelque chose en nous s'altère, non pas s'abîme, mais devient autre, altère, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous rappelle tout ce que l'on doit à ce qui n'est pas simplement nous-mêmes ou le même à l'intérieur de nous. Mais ça devient, vous en conviendrez, extrêmement difficile à faire aujourd'hui. Alors depuis des semaines et des mois, et peut-être c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, j'arrête pas de me poser la question de c'est quoi les limites du dialogue ? Et peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure, Kamel, à quel moment on considère que
même si on dévoue notre vie au dialogue, il y a un moment donné où il devient impossible. J'arrête pas de me poser cette question, moi, personnellement. À quel moment on considère que c'est plus possible de dialoguer, que peut-être il faut quitter la table, de peut-être que quelque chose est définitivement rompu? Et finalement, je suis arrivée à une définition assez basique, vous allez voir, pas tellement ambitieuse pour répondre à cette question. Moi, je considère que je veux continuer à parler, mais qu'effectivement, on ne peut pas parler à partir du moment où l'autre nie votre droit à l'existence. C'est assez basique, vous en conviendrez. Mais je considère que c'est une base de discussion. Si vous vous trouvez dans une pièce ou dans une discussion avec quelqu'un qui nie votre droit à l'existence, alors c'est pas possible de poursuivre la conversation. Et vous le savez, on ne manque pas aujourd'hui dans le monde de gens qui nient le droit de l'autre à l'existence, à être là où il est, à exister en un temps T, en un lieu, elle. Et vous savez à quel point, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus, pas faire trop long maintenant, à quel point le Proche-Orient est une région du monde où pour beaucoup de gens, aujourd'hui, là-bas, le deuil, les fantômes, la guerre, fait que surgissent des conversations qui sont devenues impossibles parce que l'un nie à l'autre le droit d'exister là où il est. Et je peux l'entendre, je ne vais pas dire le comprendre, mais l'entendre là-bas aussi, parce que je connais cette région et je perçois de part et d'autre dans mes conversations avec les uns et les autres au quotidien leur deuil et leur douleur et leurs fantômes. Mais je comprends moins, et je m'arrêterai là, qu'à des milliers de kilomètres, eh bien, certains ici véhiculent, portent ce même discours d'incapacité empathique pour l'autre ou considèrent qu'ils sont autorisés à être des acteurs qui jettent de l'huile sur le feu dans une négation d'un dialogue que nous avons le devoir de modeler, non pas pour nous, mais pour eux. Parce que si on n'est pas capable, nous, de modeler ici ce dialogue pour eux, alors nous portons une pleine responsabilité d'acteurs dans ce conflit à des milliers de kilomètres. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, alors il faut faire quelque chose pour que nous ne soyons pas que nourris de ces slogans. Pas que non informés, pas que des acteurs de la violence en cours. C'est à moi. Oui. Alors, d'accord. Kamel, est-ce que vous partagez cette conviction ? Bonjour, merci d'être là. Alors, avant de répondre à la deuxième question, j'essaierai de répondre à la première. Pourquoi j'ai accepté de parler ? Pourquoi je suis là ? D'abord parce que, pour une raison très simple, et si je le formule d'une manière très brutale, parce que je suis un traître. Je parle parce que je pratique de la traîtrise contre les miens et contre moi-même. J'essaie de réfléchir selon ma singularité, selon ma subjectivité. Et c'est une question très intime. Ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en Palestine, en Israël, malheureusement, n'est pas quelque chose qui est externe à moi, qui est extérieur. C'est quelque chose qui me concerne. C'est quelque chose qui me poursuit dans ma réflexion, dans mon sentiment ou ma sensation de sérénité. Le soir, devant le miroir, devant mes enfants, est-ce que je suis quelqu'un d'insensible ? Est-ce que je manque d'empathie ? Est-ce que je suis quelqu'un qui a trahi les siens ? Est-ce que je suis un vendu ? À quel prix ? Est-ce que je suis quelqu'un qui a pris parti sans vouloir l'admettre ? Et si je suis là parce que j'aime et j'ai la vanité de poursuivre une mission, c'est celle de réfléchir à haute voix, c'est celle de penser à haute voix. Si je suis ici, c'est pour 3 ou 4 croyances. La première, je crois que si l'on ne prend pas la parole, souvent on la cède, et généralement on la cède au plus radical. Je suis ici pour non pas incarner une expertise, je ne l'ai pas, mais une sensibilité. Je suis ici pour écouter, pour essayer de réfléchir, pour essayer d'échanger et pour essayer de raconter une expérience. Pourquoi je pense ainsi ? Pourquoi j'ai eu un parcours de réflexion qui m'a mené jusqu'à là, jusqu'à ce point-là, jusqu'à cette amitié-là, etc. J'essaie de m'exprimer. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est important pendant que des gens meurent et que d'autres tuent ? Oui et non. Oui et non. Je pense que si l'on se tait, c'est qu'on accepte que les choses aillent vers le pire. Et si l'on parle, on endosse et on risque d'endosser une position qui n'est pas la sienne. Je ne suis pas là en tant qu'arabe, ce n'est pas un métier être arabe, c'est juste une appartenance. C'est un capital. L'arabité m'appartient, je ne lui appartiens pas. Et je ne suis pas ici en tant que musulman. Je pense que l'islam, c'est une religion et comme je le dis souvent en Algérie, personne n'a l'acte de propriété de l'islam parce que si quelqu'un l'a dans cette salle, il me le montre, je me tairai à jamais. Je ne parlerai plus jamais d'islam parce qu'il aura été la propriété de quelqu'un d'autre. Donc, si je suis là, c'est aussi pour défendre une singularité. J'ai le droit d'être vivant,
J'ai le droit de me sentir coupable, j'ai le droit de ne pas me sentir coupable, et j'ai le droit de garder la propriété des mots, de les dire et de réfléchir à haute voix. La question palestinienne, quand on est, comme moi, algérien, elle nous concerne. On est biberonné, on est dans ce berceau-là. C'est une nationalité sublimée, écrasante, handicapante, dévitalisante pour le réel. Et on passe sa vie à se justifier, à essayer d'atteindre ce plafond qui est à la fois la vie et la mort. Parce que qu'être palestinien, finalement, quand on est arabe, c'est mourir de la meilleure des façons. Finalement, c'est une dépossession absolue. Et j'ai essayé de réfléchir sur ça. J'ai essayé de réfléchir sur l'altérité. Pourquoi je n'aime pas le juif? Pourquoi on m'éduque à ne pas aimer le juif? Parce qu'il est absent, et l'absent est le creux des fantasmes, comme tu le dis souvent. Parce que c'est la question de l'autre. C'est comme le français pour l'algérien. Au fond, l'autre, c'est une question intime. Mahmoud Darwish disait cette phrase que je t'avais montrée tout à l'heure, qui était superbe. Je ne peux que discuter avec l'autre. Si je ne peux pas discuter avec l'autre, ça veut dire que je ne suis plein que de moi-même. Et finalement, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant. Qu'est-ce que la vie si on n'est pas altéré par l'altérité? Donc tout cela se brasse, se mélange. Je me sens en colère. Je me sens parfois plein de moi-même, de la certitude que j'ai raison parce que je suis le seul à vivre et le seul à mourir. Je me sens coupable, je me sens mal à l'aise. Et même dans cette salle-là, tout à l'heure, je me suis dit, mais on est dans une époque où il m'a fallu, moi qui parle tellement facilement, il m'a fallu prendre en compte 1000 précautions, écrire des notes, ce que je ne fais jamais, et que je ne suis pas en train de lire d'ailleurs. Et tout cela pour dire que est-ce que ce qui se passe ne nous dépossède pas de la parole pour la donner aux plus radicaux? Et puis je suis là aussi, en dernier, parce que je suis l'enfant de deux guerres en Algérie. La guerre de libération et la guerre civile. La première, elle m'a appris que ce n'est pas parce qu'on gagne une guerre qu'on gagne un pays. Et la deuxième, la guerre civile, elle m'a appris à me méfier de la vérité. Parce que j'ai vu des gens mourir, être assassinés au nom de la vérité. Depuis, je préfère la question à la réponse, le doute à la conviction, l'humain dans sa complexité, au croyant dans sa... Désolé, mais je le préfère au croyant dans sa radicalité ou dans sa conviction. Je suis là... quasiment nu devant vous dans mon malaise et je vais essayer de le partager avec vous. Alors soit on va faire un échange, vous allez peut-être me donner vos certitudes et je vous donnerai mes doutes. Des questions. En t'entendant parler, moi j'ai envie de te poser une question. Plutôt que de parler, je me dis que tu parles de ton expérience de la guerre d'Algérie, effectivement, dont tu parles si puissamment, mais comment tu expliques, toi, que... pour le dire très simplement, elle n'est pas déclenchée, ou ton récit, ou le récit des horreurs de la guerre d'Algérie n'est pas déclenché, les mêmes réactions. C'est une question que je me suis toujours posée. Quand on survit à la guerre civile algérienne, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a eu lieu avant Internet, c'est-à-dire dans la préhistoire de l'information, entre 90 et 2000, officiellement 200 000 morts, 1 million de déplacés. Et c'est une mort qui a touché chacun d'entre nous, peut-être même des gens ici dans la salle, qui ont perdu des leurs, qui ont marché sur des cadavres, qui ont vu des bombes, etc. Et c'est une guerre qui a été vécue par les Algériens dans la solitude. Et souvent, on le dit en off communautaire, on ne pardonne pas au reste du monde de ne pas en avoir parlé, de nous avoir ignorés, de n'avoir pas manifesté pour nous. Je crois que c'était le premier déclencheur. Je me suis dit, les morts ont finalement des nationalités. Et on réagit à cette universalité par défaut qu'est la mort, à ce néant collectif, on réagit aussi en collant des nationalités. Et finalement, les morts ne se ressemblent pas. Et ça a déclenché une réflexion. Une des premières conclusions, c'est que je me suis dit, si le monde n'accorde pas d'importance à nos morts, c'est que nous n'accordons pas d'importance à nos vivants. C'était une des premières conclusions. La deuxième, je me suis dit, finalement, dans la mort, on est dans la solitude. On est tout seul. Et tout ce que ceux autour peuvent dire... c'est toujours bon, c'est toujours utile, ça nous permet au moins d'être sûr qu'on a survécu. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a toujours un malentendu quand on est survivant. On sait, on connaît la valeur de la vie alors que les autres la présument. C'est des choses différentes. Et ça a déclenché cette réflexion, pourquoi on est ému par certaines tragédies et pas par d'autres. Elle n'est pas partie de la Palestine, elle est partie du sort des subsahariens en Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui a une tradition décoloniale, panafricaine très forte. Mais quand on voit la montée du racisme dans le Maghreb en règle générale contre les Noirs, je me suis posé la question, pourquoi ça n'émeut personne? Et j'avais écrit un article dans le New York Times, à l'époque, sur le racisme en Algérie. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans un journal arabophone, il y avait une page sur ce qui se passait dans les camps de migrants en France,
Et il y avait juste un autre filet de 5 lignes sur la reconduction de près de 2000 subsahariens qu'on a jetés dans le désert. Et je me suis dit, comment la conscience humaine peut se cloisonner ? C'est-à-dire être sensible à une douleur convenue et ignorer une douleur présente. Au fond, on est capable de cloisonner nos consciences. Et ce que je me suis imposé, c'est cette réflexion peut-être prétentieuse de ma part, c'est de décloisonner ma sensibilité. C'est-à-dire de revenir à l'universalité de la mort dans son scandale. Un mort n'a pas de nationalité. D'accord ? Et c'est à partir de là que j'ai essayé de réfléchir ma propre liberté, ma propre trahison. Et c'est là où j'ai commencé à trahir les miens, parce qu'ils avaient des convictions, alors que moi j'avais des doutes. Mais ce que tu appelles trahir, d'une certaine manière, c'est une capacité à penser contre soi, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Moi, je pense à Amos Oz, l'écrivain israélien qui était très engagé dans la paix et qui n'arrêtait pas de dire qu'à chaque fois qu'on le traitait de traître, il se disait qu'il était drôlement bien entouré. Qu'en réalité, les gens dans l'histoire qu'on avait traités de traîtres, c'était des gens qui avaient été capables de faire avancer l'histoire d'une manière particulière. Mais tout à fait. La traîtrise, elle a inventé deux choses. Je suis en train de faire de l'éloge de quelque chose qui n'est pas très agréable pour beaucoup dans l'imaginaire. Mais la traîtrise, elle a inventé deux choses, ou trois peut-être. La résurrection, pour la tradition chrétienne, c'est Judas. Elle a inventé la fécondité. Lorsqu'on trahit, on fécond le réel. Et elle a inventé l'individu. On ne trahit pas collectivement. Trahir collectivement, ça s'appelle une orthodoxie. Mais trahir individuellement, c'est ça la vraie trahison. Donc penser contre le sien. Mahmoud Darwish le dit dans cet ouvrage que j'adore. Il le dit, c'est qu'un homme qui pense comme les siens ne peut pas être un créateur. Donc la trahison est quelque part nécessaire. On est obligé de penser contre soi et contre les siens. Mais Mahmoud Darwish, c'est toi qui m'as cité un jour cette citation, d'ailleurs que je ne connaissais pas, a dit qu'il pensait que... Il a dit quelque chose comme nous, les Palestiniens, si nous n'étions pas en guerre contre les Juifs, personne n'aurait entendu... parler de nous, ou quelque chose comme ça. C'est toi qui m'as cité un jour cette citation. Et je l'avais retrouvée. Il répond dans un livre magnifique, La Palestine comme métaphore, à une poétesse israélienne. Savez-vous pourquoi nous sommes célèbres, nous autres, Palestiniens ? Parce que vous êtes notre ennemi. L'intérêt pour la question palestinienne a découlé de l'intérêt porté à la question juive. Oui, c'est à vous qu'on s'intéresse, pas à moi. Si nous étions en guerre avec le Pakistan, personne n'aurait entendu parler de moi. Alors, nous avons la malchance d'avoir pour ennemi Israël, qui a tellement de sympathisants dans le monde. Et nous avons de la chance que notre ennemi soit Israël, car les Juifs sont le centre du monde. Vous nous avez donné la défaite, la faiblesse et la renommée. Elle est terrible, cette phrase, parce qu'elle a quelque chose de définitif. C'est-à-dire qu'elle inscrit les passions vis-à-vis de ce conflit dans quelque chose de complètement irrationnel, fantasmé dans les fantômes de l'histoire. Tu vois, je t'entendais parler il y a un instant du langage, à quel point il est falsifié, à quel point il est utilisé. Moi, j'arrête pas de penser à ça ces dernières semaines dans un phénomène que tu as sans doute constaté ou que vous avez tous constaté, ou pas, qui est l'étrange point godwinisation du débat quand on parle du Proche-Orient. On a l'impression que dès qu'on lance le sujet du Proche-Orient, c'est troublant. On peut compter jusqu'à 30 secondes jusqu'à ce que surgisse le point Godwin, c'est-à-dire au choix un vocabulaire emprunté au Troisième Reich, Hitler, la nazification, les ghettos, les camps de concentration. C'est troublant parce que, bien évidemment, qu'il existe d'autres mots, bien d'autres mots dans la langue française pour qualifier, penser, critiquer, dénoncer quelque chose qui se passe ailleurs. Mais on choisit ce vocabulaire-là quand il est question du Proche-Orient, mais on l'utilise jamais pour d'autres conflits plus ancien ou plus sanglant. Je n'ai pas le souvenir que pour parler de ce qui s'est passé en Algérie, on ait eu recours à des points Godwin. Non, du tout, parce que la guerre d'Algérie n'était pas millénaire, elle n'exacerbait pas les fantasmes. Et les fantômes. Et les fantômes, c'était une sorte d'euthanasie collective, de suicide collectif. Et elle était dépossédée justement de tout cet arrière-plan de fantasmes. Mais au fond, finalement, c'est ça ce qui est gênant. C'est le fait qu'on puisse hiérarchiser les morts, qu'on puisse arriver à ce point-là en disant que certains morts sont plus morts que d'autres. On le dit, on le qualifie de l'autre côté. On dit shahid, on dit martyr, comme si cela pouvait anoblir sa disparition. La mort est un scandale, quel que soit X. Donc ce n'est pas parce qu'on meurt en martyr qu'on n'est pas mort. Et pour toutes les causes. Moi, je me méfie des causes, généralement. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Par contre, sur l'usage des langues, c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui m'a frappé avant qu'on vienne dans cette salle. C'est les 1000 précautions qui étaient en l'air. On ne nous a rien dicté.
et tu le sais. Mais je me suis dit, mais quelle défaite. Quelle défaite si moi ou toi, on ne peut pas arriver pour dire ce qu'on veut dans un monde qui maintenant attend chaque mot comme si c'était un attentat, un scandale en soi, une radicalité, une prise de position, un choix. Chaque mot est un choix quelque part. Et je trouve que c'est malheureux. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? On va donner la langue en position aux radicalités. Et on va se taire au milieu. Moi, j'ai l'impression, et, enfin, j'ai beaucoup parlé de ce mot qui, moi, me heurte terriblement depuis le 7 octobre, qui est le fameux mot, le « mais », tu vois, la conjonction de coordination « mais », l'impression que tout autour de nous, les gens l'utilisent dans toutes leurs phrases. Il s'est passé quelque chose d'horrible le 7 octobre, mais des femmes ont été violées, mais des enfants meurent à Gaza, mais on utilise des gens comme boucliers humains, mais... Et en fait, ce « mais » est... qui sert bien évidemment souvent à tenter de contextualiser, est en fait très clairement toujours une volonté de relativiser l'empathie. C'est-à-dire que tout à coup, quelque chose nous empêche d'être pleinement empathie pour, vis-à-vis du scandale de la mort que tu évoques tout de suite, comme si on évacuait l'autre conjonction de coordination qui est la seule, à mon sens, non abjecte dans ce débat, qui est le « et », « et ». C'est-à-dire qu'il faut être capable... Et ça paraît tellement trivial à dire que je peine à comprendre pourquoi c'est devenu une impossibilité d'exprimer l'empathie, ce mot qu'on utilise tellement qu'on ne sait plus trop ce qu'il veut dire, être dans l'empathie avec les uns et avec les autres, comprendre le deuil des uns et des autres, renvoyer les uns et les autres à leur responsabilité et parfois même à leur culpabilité, à ce qui les a menés là, les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce langage se met en place pour que la description de la situation soit celle de la, d'une bilatéralité, d'une binarité extrême, avec toujours un discours de la mort des uns ne vaudrait pas la mort des autres, il y aurait par définition toujours des forts et des faibles, et des coupables par essence ou des innocents par naissance. Enfin, je dois dire que je suis particulièrement troublée par la binarité du regard sur ce conflit. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse là-dessus parce que ça me trotte dans la tête depuis quelques jours. C'est que je remarque que certains acteurs politiques qui, ces dernières années, ont été les champions du questionnement de la binarité en matière de genre. Et tant mieux, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment porté un discours qui, à mon sens... a fait penser et peut-être même grandir la société dans sa capacité à penser au-delà d'une binarité crasse en matière de genre, eh ben sont précisément ceux qui aujourd'hui nous invitent à l'ultra-binarité réductrice en matière de politique et de regard sur ce conflit. Et je m'étonne parfois que ce soit les mêmes, comme si la binarité, le refus de la binarité dans un domaine s'était focalisé dans une autre sphère. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu parles d'empathie, c'est l'occasion pour moi aussi d'exprimer quelque chose de l'autre bord. Je me suis toujours interrogé depuis que j'étais enfant sur le sentiment pro-palestinien dans nos pays. Je me suis dit, mais depuis que j'étais enfant, j'avais 5 ans, 6 ans, dans le village, on allumait la radio à 16 heures, et malheureusement pour moi, dans ce village qui était vide, il n'y a pas plus ennuyeux qu'un village socialiste, et il y avait Radio Palestine, et il y avait ce chant, ces hymnes sur la Palestine. Et enfant, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie depuis mon enfance de l'enthousiasme. Et dès le début, ça me mettait mal à l'aise, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Alors, dès le début, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était faux et faussé dans cet enthousiasme-là. C'est en grandissant, c'est en m'accaparant les mots, en apprenant à écrire, que j'ai appris à m'exprimer et à dire et plus ou moins définir les choses. Et je me suis dit, finalement, le Palestinien est une abstraction. Est une abstraction absolue, religieuse, nationaliste, etc. Le Palestinien, j'en ai rencontré deux en Algérie. Un à l'âge de 13 ans et l'autre il y a 5 ans à peu près ou 6 ans. En fait, c'est une abstraction dans sa tragédie, dans son absence. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'envers du juif. Le juif, c'est l'auteur de tous les maux, de tout le mal, avec un grand M. Et de l'autre côté, son envers, c'est le Palestinien. C'est tout le bien, c'est aussi un creux de fantasme aussi. Et avec le temps, je me suis aperçu que je suis en train d'analyser le sentiment pro-palestinien, pas la tragédie palestinienne, encore une fois, parce que je n'ai pas été, je m'interdis depuis que j'ai vécu la guerre civile, je m'interdis de parler au nom de ceux qui meurent.
Donc je reste au loin et j'essaie juste de m'expliquer ma douleur, ma culpabilité ou ma passion. Et comment je peux aider ? C'est tout ce que, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas à mes enfants et aux gens autour de moi, et pour que ça se ne perpétue pas, et ça ne se reproduit pas, et ça ne s'amplifie pas. Et le sentiment pro-palestinien m'a toujours interrogé, en Algérie notamment, dans le monde qu'on appelle arabe. C'est que très tôt, j'ai découvert que c'était un masque. C'est-à-dire, le palestinien nous servait quasiment à cacher le présent, à nous dérober au présent, à fantasmer sur une supernationalité, comme je disais tout à l'heure. Le palestinien vivant, à la limite, on ne s'y intéresse pas. On s'y intéresse parce qu'il est saignant, parce qu'il est mort, parce qu'il est tué. Ça installe un imaginaire qui fait que dans sa réalité, dans sa complexité, dans son humanité, dans sa culpabilité, dans son innocence, il n'est pas perçu comme ça. Et finalement, ce palestinien imaginaire, je l'ai rejeté. Parce que il m'interdisait l'empathie pour le reste de l'humanité. Pourquoi je ne pleurerais pas un bébé yéménite ou un enfant mis dans un four en Algérie dans les années 90 ? Ça a été, ils l'ont fait. Et j'en ai voulu à ce palestinien imaginaire et à ce sentiment pro-palestinien qui construisait une sorte d'innocence sur le crime de rejeter l'autre. Il y a une phrase de Gorky que je répète souvent et qui pour moi a été un déclencheur. On est bouleversé parfois par des livres, parfois par des visages, parfois par une seule phrase. Et cette phrase de Gorky, je crois que c'est dans La Mer, il a écouté un trotskiste prêcher le communisme de l'époque, le proto-communisme. Il disait cette phrase, il prêchait l'amour avec haine. Et depuis, je sais que les grandes causes attirent souvent les petits esprits. Et je sais que souvent les grandes causes attirent les gens qui sont dans l'inconfort et qui sont dans le mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes. Et je sais que souvent, autour des grandes causes, il y a une pensée magique. Celle qui fait qu'on peut manifester, crier, insulter, cracher, et puis rentrer chez soi pour regarder Netflix, et qu'on ne change pas le monde. C'est ce qui fait que je me méfie des enthousiasmes. Je suis un paysan, je suis né dans le village. Je crois que c'est l'action qui fait la décantation. Et je ne crois qu'à l'homme, c'est-à-dire la femme, qui lui donne la vie. Je ne crois pas beaucoup aux idées, je m'en méfie. Je les vends à Sciences Po, mes idées. Mais je me méfie, je préfère la chair, je préfère le corps, je préfère le doute, je préfère la précarité, je préfère la nuance. Et donc, le palestinien imaginaire, il me met mal à l'aise dans le sens où il m'a volé quelque chose, il m'interdit quelque chose pour son malheur. Il y a une fable, un mythe religieux qui est extraordinaire. Vous savez, le messianisme en islam est bâti sur la libération de Jérusalem et la mort de tous les juifs. Je me suis dit, mais on parle de ça, mais on ne parle pas de la plus grande des tragédies. Finalement, en relisant cette mythologie messianique, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on dit aux Palestiniens ? On lui dit, tu seras libre à la fin du monde. C'est-à-dire, tu auras un pays pour un jour. C'est-à-dire que sa liberté, même pour ceux-là même qui proclament la guerre sainte pour le libérer, ben, ils vont le libérer pour précipiter la fin du monde. Finalement, c'est la plus grande des dépossessions. C'est-à-dire, là, pour le moment, il a au moins deux petits territoires. Avec le messianisme religieux, il aura un jour. Et je me suis dit, mais ce pauvre malheureux qui doit à la fois incarner la fin du monde, le monde, l'humanité, l'autre, la victime, etc. J'ai trop parlé. Non. Je trouve ça terrible quand tu dis, à la fois je comprends très bien ce que tu veux dire, mais quand tu dis qu'on aime le palestinien sanguinolent, souvent dans le monde, ou peut-être dans le monde arabe, ce que tu suggères, parce que moi, ça me fait penser au fait que tellement souvent, on me dit à quel point on aime aussi... Le micro est antisémite. Non, c'est bon. Je sais bien que c'était dangereux de venir ici. À quel point souvent, on me dit aussi, d'une certaine manière, qu'on aime le juif dans la position de victime et pas dans une autre. Ça ne va pas t'étonner, mais enfin, tu t'en doutes, je reçois beaucoup de lettres antisémites. Beaucoup en ce moment, j'ai énormément de courriers antisémites qui m'arrivent. J'ai fait une petite statistique, j'ai à peu près, je ne compte pas les réseaux sociaux parce que là on explose les chiffres, mais je reçois à peu près une quinzaine de lettres antisémites papier en tête par semaine. Et très souvent, cet argument-là, il revient. C'est-à-dire que les lettres disent... C'est des lettres qui commencent souvent par un pseudo-philo-sémitisme, parce que ça va souvent de pair. Des gens qui disent... je vous le résume, mais grosso modo, ils disent oh, « Vous, les Juifs, on vous a beaucoup aimé dans le rôle de la victime. On vous a adoré dans les précédentes saisons, quand vous étiez totalement vulnérable, impuissant et martyr de l'histoire. Mais là, dans la nouvelle saison,
avec souveraineté et armée, alors là, on vous aime plus du tout. Et c'est troublant, c'est comme si, effectivement, et c'est le point commun, en fait, peut-être entre ce qu'on perçoit, il y a une certaine passion, je ne sais pas si le mot est bon, pour l'autre quand il incarne la douleur, finalement, la passion, au sens théologique du terme. Alors, je me suis dit qu'un jour, je publierais toutes les lettres antisémites que je reçois, parce que certaines valent vraiment... Il ne faut pas que je bouge leur pesant de cacahuètes. J'en ai reçu une géniale. Je suis obligée de la partager avec vous. Ça marche ? Oui, une seconde. Voilà. J'en ai reçu une extraordinaire, une dame qui m'a écrit cette semaine, parce qu'elle avait entendu une interview que j'avais donnée à la radio où on m'avait demandé de choisir deux ou trois livres dans ma bibliothèque qui m'avaient beaucoup inspirée. Et j'avais cité Albert Cohen, Romain Gary et Amos Oz. Et elle m'a écrit une longue lettre pour me dire à quel point les juifs étaient les gens les plus racistes qui soient, et la démonstration de mon racisme, c'était que je n'avais cité que des auteurs juifs, et c'était bien la preuve que je vivais dans un terrible entre-soi à l'image de tous ces juifs racistes. Et elle terminait sa lettre, c'était grandiose, en écrivant « Vous feriez mieux de lire Jésus ». J'ai pas voulu lui révéler la vérité. Par charité chrétienne. Mais cette question des mots nous rend fous. En fait, finalement, on parle que de, ou presque, de problématiques de fantômes et de langage depuis tout à l'heure. C'est-à-dire les fantômes, le langage, comment les mots sont hantés ou produisent des hantises dans tous les sens du terme. Les mots produisent aujourd'hui des hantises. Pour moi, les mots hantés... aujourd'hui, c'est particulièrement alors dans mon identité, par exemple, la question évidemment du sionisme et de l'antisionisme. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut pratiquement interrompre la conversation dès que ces mots sont prononcés, parce que je n'ai aucune idée véritablement de ce que mon interlocuteur veut dire lorsqu'il les utilise. En fait, évidemment, sioniste est devenu pour certains une insulte suprême, pour d'autres une revendication humaniste et poétique. Pour moi, c'est la nécessité de l'existence d'une souveraineté juive, à savoir d'une autodétermination du peuple juif au même titre que toutes les autres minorités, particulièrement persécutées. Pour d'autres, j'entends bien que c'est devenu un énorme mot qui fait que ce n'est pas compatible avec d'autres combats de l'intersectionnalité. Même chose pour l'antisionisme. Là, ça fait des années déjà que moi, j'interromps la conversation à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est antisioniste, pas pour ne pas lui parler, mais pour lui demander tout de suite de préciser ce qu'il entend par là. Et la plupart du temps, mon interlocuteur est bien en peine de me dire ce qu'il entend par là, parce que, bien entendu, il n'entend pas par là simplement une critique ou une critique féroce de la politique de l'État d'Israël, parce que si c'était le cas, une bonne partie des Israéliens pourraient se définir comme antisionistes. Aujourd'hui, bien entendu, il entend autre chose, mais quoi ? La nécessité que cet État n'existe plus, qu'il soit détruit, la volonté de, je ne sais pas, de faire quoi, en quoi ? D'annihiler la possibilité pour cet État d'exister. C'est troublant, parce que tu disais il y a un instant que tu n'as pas rencontré beaucoup de Palestiniens. Moi, j'en ai rencontré beaucoup parce que j'ai vécu assez longtemps en Israël et parce que j'essaie aujourd'hui de continuer le dialogue, un dialogue qui est parfois officiel, mais qui très souvent est officieux, parce que mes interlocuteurs palestiniens ne souhaitent pas nécessairement que je les expose dans la conversation qu'on a ensemble. Mais étant donné que je ne cite pas leur nom maintenant, je peux partager avec vous certaines des conversations que j'ai avec eux aujourd'hui. Et moi, récemment, j'avais une conversation ici à Paris avec un leader palestinien qui faisait le tour du monde pour qu'on arrête dans les campus à travers le monde de dire « from the river to the sea ». Ce n'était pas un sioniste, hein. C'était un palestinien, un leader palestinien, qui lui considère aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus délétère à la cause palestinienne que ce slogan-là. Qu'en réalité, il ne peut pas être compris autrement que comme un appel à l'éradication de l'autre, et qu'en réalité, il dessert, de son point de vue, les intérêts du peuple palestinien.
La situation est d'autant plus complexe lorsque vous êtes un intellectuel du monde qu'on appelle arabe, parce que vous êtes assigné à un rôle, à une sorte d'alignement. Comment dire à la fois que je suis absolument horrifié par la guerre à Gaza, par les victimes, par les Palestiniens morts, par les cadavres, et que à la fois je me méfie de ma propre sentiment pour ne pas réveiller la judéophobie. Comment à la fois être du côté de l'humain sans donner des arguments à la radicalité? Comment défendre une sorte de droit à l'indignation sans se ranger du côté du mal? C'est excessivement difficile. D'autant plus que penser l'autre dans le monde qu'on appelle arabe est généralement penser dans l'affect, dans l'assignation. Vous êtes de quel côté? Si vous dites que je réfléchis à la judaïté comme étant une question intime, c'est un rapport à l'autre, l'autre absolu, dans sa différence, on ne vous comprend pas. Si vous dites que je suis contre la guerre et qu'une guerre peut être justifiée, elle n'est jamais juste, on ne vous comprend pas. On sélectionne les phrases qui peuvent être retenues dans le procès de votre appartenance et de votre allégeance intellectuelle. Il est très difficile de penser la question palestinienne et israélienne dans le monde qu'on appelle arabe, parce qu'il y a des monopoles de parole. L'islamisme, comme disait Boualem Sansal, bénéficie d'une absolue liberté d'expression. Un islamiste peut vous parler de la Palestine, du sexe, de la femme, de l'au-delà, de la musique, de tout. Un intellectuel de progressiste, un libéral dans le monde arabe, ne peut pas prendre la parole sur ça, parce qu'il est déjà assigné, il est déjà taxé de traître. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de trahison et de pensée contre les siens. Alors, très difficile de parler, mais en même temps, il faut le faire. Très difficile de penser à haute voix, mais en même temps, il faut le faire. Très difficile de ne pas être atteint par la diffamation, l'insulte, l'incompréhension, la violence et l'agression. Et en même temps, il faut le faire. Il faut trahir. Il faut trahir les convenances. Il faut trahir la pensée des siens. Il faut trahir le grégaire, le communautaire et aller vers l'autre. Parfois, cela se fait par un déclic. J'étais jeune, j'étais gamin. J'étais adolescent quand je me suis posé cette question. Je me suis dit, pourquoi on dit toujours dans notre culture que les juifs sont maudits? Parce que Dieu les a maudits. D'accord. Mais Dieu est juste? Oui. S'il est juste, comment se fait-il qu'il ait pu se permettre de maudire des personnes qui n'étaient pas encore nées? Donc, cette idée de peuple maudit, ennemi de Dieu, ne tient pas. Je me disais à l'époque, d'accord, il y a eu deux ou trois opposants politiques à la divinité, donc qui ont tenu tête, etc. Mais par la suite, pourquoi on a consacré cette idée de malédiction qui fait qu'on le rejette et qu'on le charge de tout? Enfin, au fond, en réfléchissant à la judaïté, je me réfléchissais moi-même. Je me pensais moi-même. J'essayais d'assumer cette part inconsciente de moi-même. Mais le souci étant qu'en face, il y a la mort, il y a les bombardements, il y a les attentats, il y a les viols, il y a les otages, il y a les enfants morts, il y a la famine, il y a beaucoup de choses. Alors, je me dis que parfois, je comprends les gens qui s'emportent. Je comprends la passion. On ne peut pas dormir sachant que d'autres meurent. On ne peut pas le faire de manière... On ne peut pas être innocent. Mais d'un autre côté, la passion, l'engagement ne doit pas se tromper de cible. Comme tu le disais, on est là pour ne pas amplifier une guerre. Au contraire, on est là pour la réduire, pour la cerner, pour la démanteler, pour lui enlever ses raisons. On est là pour pouvoir garder le pouvoir sur la parole de dire les choses. Et ça, c'est le plus important. Les gens qui recourent à la violence pour affirmer une sorte d'identité, une sorte d'engagement, je peux comprendre leur passion, mais je crois que c'est encore une fois de la pensée magique. Il ne s'agit pas de refaire la guerre, il s'agit de construire les possibilités de paix et les possibilités de construction. Bon, finalement, on a le choix entre une grande guerre mondiale ou entre un débat ici. Et j'ajouterais que moi, à mon sens, on a aussi le devoir, ce que je disais tout à l'heure, de modeler quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose que nous pouvons modeler parce que la société française le permet dans son modèle, dans sa structure, dans la possibilité. Tu vois, tu évoquais tout à l'heure la trahison, mais en fait, pour moi, le modèle de la laïcité, en tout cas mon interprétation de la laïcité, c'est qu'elle permet précisément, en principe, par définition, c'est pas un modèle parfait, mais son principe est de permettre la trahison, puisque, à mon sens, la définition de la laïcité, c'est qu'en toutes circonstances, on vous permet de dire « je » et pas « nous ». C'est-à-dire que c'est ça, finalement, la définition de la laïcité à la française. On vous rappelle qu'en toutes circonstances, vous ne serez pas défini que par la première personne du pluriel de votre ancrage ethnique ou religieux par votre naissance, mais qu'il existera toujours une possibilité de parler à la première personne du singulier. C'est la définition de la trahison. En fait, c'est le « je » contre.
un nous exactement. Assigné. Et si on ne pose pas, pardon pour ce jeu de mots lacanien de balle, si on ne pose pas le je contre le nous, alors tout le monde est à genoux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous écrase tous sous le poids d'une affiliation à un plus grand que soi qui ne construit pas du commun du tout. Tout à fait. La salle. Alors, peut-être une question avant de laisser la parole pour les questions, mais comment sortons de ça à plusieurs milliers de kilomètres du conflit, dans une université? Comment refonde-t-on des communautés polarisées autour de causes, autour de causes vécues comme justes de part et d'autre? Comment refonde-t-on une communauté avec des personnes qui ne veulent pas prendre parti, une majorité probablement? Comment fait-on? De quoi parle-t-on? On n'a pas parlé de ce pronom indéfini « en », on a parlé de conjonction de coordination, mais pas encore du pronom indéfini. Finalement, de quoi parle-t-on en France aujourd'hui, quand on parle de cela? Et quels seraient vos conseils, si je puis dire, ou la discipline que vous appliqueriez? Moi, je suis souvent troublée dans les débats actuels par une méconnaissance très forte et de l'autre, et de l'histoire, c'est-à-dire en fait on veut très souvent se débarrasser des sédimentations de l'histoire pour avoir une vision totalement immédiate, et l'autre phénomène auquel on assiste c'est une impossibilité empathique qui est très très dure à reconstruire. J'ai lancé une idée il y a quelques jours qui était une idée sans doute très niaise et absurde, mais peut-être il y aurait moyen de la décliner de façon un peu plus intelligente. Je me suis dit que ce serait intéressant dans les temps à venir qu'on demande aux gens d'être capable de défendre le point de vue de l'autre. Tu sais, quand on a prévu notre rencontre ici, il y a quelques jours, je t'avais soumis une idée, finalement on est parti dans d'autres directions sans nos notes. Je t'avais dit, Kamel, et si on écrivait chacun un texte, et je lis le tien et tu lis le mien. Et ça peut être complètement un gimmick à la noix, un peu. Mais je trouve qu'il y a derrière ça une idée qu'on n'explore pas assez. Demander aux gens cet exercice d'empathie véritable, qui consiste à être capable, une seconde, de penser l'argument de l'autre, pas pour être d'accord avec lui. Rien n'empêche de le critiquer, et de le critiquer férocement, mais un instant, de se glisser dans la peau d'un autre pour essayer de comprendre, pas juste quel est son narratif, mais finalement ce dont on parle depuis tout à l'heure, essayer de comprendre quels sont les fantômes et les sédimentations de l'histoire avec lesquelles on parle. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, juste après le 7 octobre, Kamel, tu t'en souviens sans doute, et je te l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai eu le sentiment, quand on se parlait tous les deux, on s'est parlé, il y avait une journaliste qui nous posait des questions, et moi j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas trois dans la pièce, mais qu'on était 2000. C'est-à-dire qu'il y avait autour de nous, c'est terrible, hein, mais il y avait les fantômes de la guerre d'Algérie, il y avait les fantômes de la Shoah, il y avait les fantômes du Proche-Orient qui toujours parlent beaucoup trop fort, beaucoup plus fort que les autres, et prennent toute la place. Et en fait, je trouve que cet exercice, un instant d'entrer dans le narratif de l'autre, qui est parfois même qui vrille, qui défaille, qui a ses propres erreurs peut-être de raisonnement ou morale, mais être capable un instant de l'investir, me semble être un petit début de mouvement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis très peu de temps de manière permanente en France. Mais moi j'adhère à la phrase d'Amin Malouf qui disait « Pour le moment, on n'a rien de mieux que l'Occident ». Et donc ce sont des lieux de liberté, ce sont des lieux de débat. Je sais qu'il est d'usage intellectuel d'être dans la déception permanente, peut-être en France, parce qu'on veut mieux, parce qu'on n'y croit pas. Mais je crois qu'on a encore des espaces comme Sciences Po ailleurs, on a des institutions où on peut parler, on a des libertés, parce qu'on a oublié aussi peut-être les tarifs de la liberté ailleurs. On a la possibilité d'être vivant, et on a la possibilité d'être opposé l'un à l'autre, sans se tuer. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait préserver. L'Occident n'est pas le paradis, loin de là, mais c'est tout ce qu'on a pour le moment. C'est le seul lieu où on peut s'exprimer, où on peut penser, où on peut dire les choses. Et on peut même être déçu des choses et le dire, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il faut préserver ça. Je ne suis pas en train de faire de l'hyperpatriotisme de l'arrivant, mais pour avoir connu ce qu'est être privé de liberté réelle, et pour avoir connu la peur, peut-être moins que beaucoup d'autres qui l'ont payé de manière plus chère en Algérie et ailleurs, je me dis,
c'est quand même des institutions et des espaces à préserver. Parce qu'on a le choix, encore une fois, entre ça et s'entretuer. Et ça arrive très facilement. Les gens se trompent en croyant qu'on perd un pays, comme dans un film, on met des années. Un pays se perd très, très vite. Il y a un grand poète irakien, je crois, Al-Bayati, qui disait qu'un jour, le pays sera là. Je traduis approximativement et de mémoire. Un jour, le pays ne sera plus là. Il prendra ses rivières, il prendra ses arbres, ses collines. Il prendra la lune et la nuit, il s'en ira. On perd un pays très facilement. C'est très fragile, un pays. Une guerre civile, quand on a vécu ça en Algérie dans les années 90, on n'y croyait pas. On se disait, comment ? C'est comme un feu, ça prend très vite. Ça prend... Et puis d'un coup, on ne reconnaît plus l'autre, l'autre ne vous reconnaît pas, et un jour, il vous tue. Ou il tue des gens autour de vous, c'est une manière de vous tuer aussi. Et c'est très difficile de revenir. Donc, préservons ce qu'on a. Je ne prêche pas l'unanimisme, au lieu de là. Je suis un enfant du Parti unique algérien. Donc, la contradiction, l'opposition, mais préservons ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a pour le moment. C'est tout ce qu'on a. Et on sait comment ça se passe et comment ça finit lorsqu'on croit posséder la vérité et que l'autre est dans l'erreur. Donc, je sais, c'est un peu mièvre, c'est un peu de bonnes paroles, mais à mon âge, on commence à croire aux clichés, parfois. On commence à se dire qu'il y a du bon dedans. Bon, quand on est jeune, on n'a pas les clichés, on n'a pas s'habiller comme les autres. Mais à partir de 50 ans, on se dit quand même, ce sont les dernières vérités. C'est les clichés et les proverbes. Alors, je vous propose, j'imagine que vous avez beaucoup de questions pour poursuivre cette conversation. Donc, nous avons des micros qui sont disponibles. Merci beaucoup. Alors, qui se lance pour ne pas interrompre le flot de la conversation que nous avons lancée? Bonsoir Madame Horviller, bonsoir Monsieur Daoud, je vous remercie pour cette passionnante discussion. Monsieur Daoud, vous venez de dire que, en citant quelqu'un, pardon, que on n'a pas mieux que l'Occident pour le moment, mais qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de l'Occident actuellement dans la région? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? Est-ce que vous pensez que, voilà, qu'on n'est pas exemplaire, certes, mais voilà, j'avais cette question, et si vous aviez d'autres... exemples peut-être de pays, d'États que vous admirez plus que ce que fait l'Occident actuellement. Voilà, je vous remercie de partager vos points de vue là-dessus. D'accord, donc la question c'est qu'est-ce que je pense à, est-ce que l'Occident peut faire mieux? Il y a une position intellectuelle chez beaucoup d'élites dans le monde arabe que je n'aime pas. C'est une position qui m'exaspère depuis toujours. C'est celle d'attendre de l'Occident tout et à la fois de le critiquer sur tout. Peut-être cela vient de ma propre vie, je suis un autodidacte. Je ne pense pas que le monde soit juste ou injuste. Je pense que c'est à moi de faire des choses pour que ça aille mieux. La critique permanente de l'Occident pour ses positions, ses deux poids, ses mesures, m'exacerbe. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait? On reproche à l'Occident ce que nous faisons. Quel deux poids, deux mesures, d'accord. Mais est-ce que nous n'exerçons pas ces deux poids, deux mesures entre un bébé tué au Yémen et un autre tué à Gaza? Nous aussi. C'est-à-dire, il est facile de demander à l'Occident tout. C'est une position victimaire, pour moi, infantile, immature. Je ne me suis jamais senti en France comme dans une position d'infériorité ou de supériorité. Il y a des chances, je les saisis. L'Occident, c'est un lieu de liberté, j'en fais usage. Est-ce que l'Occident a une mission au Proche-Orient? Oui. Mais en même temps, c'est lui reconnaître une supériorité que moi, je n'aime pas. C'est à moi de changer les choses autour de moi. J'ai appris avec l'âge à réduire la prétention sur mes actions et à aller vers l'essentiel autour de moi. Je fais ce que je peux. Et encore une fois, une règle de base, c'est l'action qui fait la décantation. Maintenant, être dans le procès moral de l'Occident, est-ce qu'il peut faire mieux ou pas? Il faut choisir. Soit on lui reconnaît une sorte de position de tuteur sur le monde, et là on se tait, d'accord, et nous n'avons pas à réclamer tout le temps. Soit on se dit, nous aussi nous sommes responsables d'une situation et en quoi nous pouvons aider. Et là, ça, chez chaque pays et chaque peuple et chaque individu et chaque quartier et chaque famille selon ses moyens. Donc, je ne pense pas si l'Occident peut faire mieux ou pas, parce que ça conduit toujours à la même conclusion, oui, il ne fait pas beaucoup, oui, il devrait.
Je ne sais pas. Je n'ai pas grandi avec cette... J'ai une admiration profonde pour la civilisation occidentale, mais je n'en attends pas une sorte de position de tuteur sur le reste du monde. On ne peut pas à la fois attaquer l'universalisme, l'universalité et la récuser à la fois. On ne peut pas lui demander des choses et en même temps dire non. Vous savez, c'est comme la presse algérienne à un moment. Dès qu'il y a une statistique qui reconnaît quelque chose à l'Algérie, le couscous algérien est le meilleur du monde par le New York Times. Ça, ça fait la une. Si le New York Times dit que la démocratie est vacillante en Algérie, ça s'appelle de l'ingérence. Ça me met mal à l'aise. L'Occident, je préfère en profiter. Je préfère y vivre. Depuis peu, malheureusement, j'aurais voulu vivre chez moi. Je préfère m'y instruire. Je préfère y exercer ma liberté et en faire quelque chose, plutôt que de lui demander des choses. Je ne peux pas répondre à votre question de manière un peu plus simple. Moi, je vais la décaler un tout petit peu, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si le Proche-Orient a besoin de l'Occident, mais je crois qu'il a besoin de voix extérieure. C'est intéressant parce qu'il y a un instant, tu parlais de ce qui te permet, ton amour de la France, par exemple, est ton histoire d'exil. En fait, il y a quelque chose que tu permets ici à des gens d'entendre parce que tu viens d'ailleurs et que ton expérience, tout à coup, est là pour faire grandir celui qui est installé ici depuis longtemps. En t'entendant parler, je pensais à Romain Gary, de mes idoles, qui racontait que quand sa mère, quand il est parti à la guerre, sa mère agitait un drapeau français sur le quai de la gare, et c'est à ça qu'on reconnaissait qu'elle était étrangère. Parce qu'en fait, son amour de la France venait du voyage qu'elle avait fait pour y venir. Mais pour revenir à la question et la décaler un peu, je pense que le Proche-Orient a particulièrement besoin de voix extérieures, y compris de voix de gens qui pourront les aider à penser contre eux-mêmes. Je vais parler maintenant d'une problématique plus juive, qui est la question de comment les juifs de la diaspora dialoguent aujourd'hui avec Israël. C'est un dialogue extrêmement complexe, qui parfois est fait de soutien et de solidarité, et parfois est fait d'une voix critique extrêmement puissante. Moi, ça fait des années que je mène ce dialogue depuis la France avec des interlocuteurs israéliens. Je les invite à réfléchir, par exemple, à la question de leur rapport à la vulnérabilité. Il se trouve que l'État d'Israël a été créé sur un narratif de force, et on peut très bien comprendre pourquoi, c'est-à-dire que ce narratif d'une certaine manière post-traumatique d'avoir été victime tout au long des siècles, la création de l'État d'Israël s'est accompagnée d'une promesse que dorénavant les juifs seraient sur cette terre, ne seraient plus menacés comme ils l'avaient été en diaspora. Et ce narratif de force touche aujourd'hui, et beaucoup d'Israéliens je crois en sont conscients, à ses limites d'une certaine manière, que peut-être les juifs de diaspora aujourd'hui, dans leur conversation avec Israël, sont capables d'amorcer une conversation nécessaire sur les leçons de la vulnérabilité juive à travers l'histoire. Il n'y a pas un mérite particulier à avoir été vulnérable, mais il y a une certaine sagesse philosophique que l'on a héritée de ce statut de vulnérabilité qui nous permet, à mon sens, de penser l'altérité d'une façon très particulière. Et je crois en la force aujourd'hui de ce dialogue, qui est un dialogue d'empathie critique. En fait, pour moi, c'est les deux mots-clés. En fait, il faut se demander aujourd'hui comment on développe, qui que l'on soit vis-à-vis du Proche-Orient, une empathie critique, en aucune manière faire taire les voix de la critique, mais toujours avec un minimum d'humilité, se mettre à la place des traumatismes et des sédimentations de l'histoire qui ont mené à cette dégénérescence-là. Et juste pour ajouter quelque chose, moi, je me pose aussi parfois l'autre question, qu'est-ce que les pays dits arabes peuvent pour le Proche-Orient? Peut-être qu'on devrait cesser de dire aux Palestiniens « Allez-y, mourrez pour nous venger ». Peut-être qu'on devrait arrêter de les déléguer pour une histoire d'impuissance collective. Peut-être qu'on a... Je l'avais écrit un jour, la guerre au Proche-Orient, c'est une guerre entre les Arabes, entre guillemets, et les Israéliens, où à la fin, ce sont les Israéliens et les Palestiniens qui meurent. Peut-être qu'on devrait aussi arrêter de les investir de cette mission d'aller mourir sur les murs pour assouvir une histoire d'impuissance, une histoire de défaite face au réel, pas uniquement la guerre des six jours, etc. Peut-être qu'on devrait aussi, je ne suis pas expert, mais j'avais lu, comme peut-être certains dans cette salle, qu'Arafat avait eu à lutter autant contre l'accaparation de la cause palestinienne par les régimes arabes que face à son adversaire historique qui est l'israélien. C'est une cause qui est devenue ventriloque dans nos impuissances. Et peut-être qu'on devrait à un moment,
laisser en paix cette cause, la soutenir dans son humanité, dans sa tragédie humaine, plutôt que dans sa arabité et son islamité. Un des premiers articles qu'on m'a reproché en Algérie, à l'époque il y avait scandale, le jour où j'avais écrit « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire avec la Palestine ». Et j'ai mis le mot « solidarité » entre guillemets, ça ne sert pas à l'ère du numérique, en expliquant tout simplement que je suis solidaire quand le mort est un mort. Comme disait un écrivain, quand quelqu'un tue l'autre, je ne me demande pas quelle est la nationalité de celui qui tue, c'est un tueur. Mais à partir du moment où on a ghettoisé la cause palestinienne et les Palestiniens, c'est-à-dire on en a fait une cause sacrée arabe et musulmane, ben on les a exclus. On les a, j'aime pas le mot, stigmatisés. On les a enfermés. Et on les a exclus de la responsabilité universelle. C'est pour ça que j'avais écrit « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire de la Palestine ». J'ai dit, tant que c'est une tragédie humaine, je peux être solidaire. Et encore, je déteste ce mot, parce que je connais ce qu'il vaut dans le monde d'où je viens. C'est sortir, marcher, user la semelle, agiter des drapeaux et regarder Netflix à la fin. Je me méfie de la pensée magique depuis. Je préfère déclarer que je suis impuissant à changer les choses plutôt que de cracher sur le voisin pour croire que je libère la Palestine. Bonjour, Madame Orvillard, Monsieur Daoud. Moi, c'est ma voix qui est antisémite et qui m'a lâché cette semaine. Mais moi, j'aimerais vous interroger un petit peu plus sur l'idée que vous avez touchée sur cette espèce de déconstruction sélective de la binarité, que certaines personnes déconstruisent beaucoup d'éléments, mais qui sont très polarisés sur d'autres. J'aimerais vous entendre, Monsieur Daoud, sur ça, et si vous pouvez développer un petit peu plus. La question ? La question, c'est justement sur cette idée de déconstruire la binarité du monde d'un côté, et en fait, cette déconstruction, elle est très sélective, parce que sur dans d'autres thèmes, bah, en fait, finalement, elle est très binaire. Donc les gens sont... Enfin, c'est un peu votre idée. Non, simplement, c'est une question que je posais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que, d'une certaine manière, peut-être votre génération sera beaucoup mieux armée, même idéologiquement, que nous, pour y répondre. Je suis très troublée aujourd'hui par cette question de refus de binarité, renforcement de binarité dans le discours de certains. Et donc je me pose la question, mais c'est peut-être une question pour des psychanalystes ou des historiens des idées, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que ce désamorçage de la binarité, par exemple sur ces questions de genre, est porté souvent par les mêmes personnes qui ont des positions extrêmement caricatural et binaire dans d'autres questionnements politiques. Vous voyez, il y a quelques jours, sur un plateau télé, j'ai dit un truc qui m'a valu, comment on appelle ça sur les réseaux, une shitstorm, on appelle ça comme ça, je crois, une shitstorm, tu connais ça sur les réseaux sociaux, c'est une... Comment on traduit ça en français, hein, une averse de merde sur les réseaux sociaux, parce que j'ai dit que je n'en pouvais plus des gens qui racontaient le conflit au Proche-Orient comme si c'était un match de foot dans le meilleur des cas, ou un western avec les cow-boys et les indiens, et les forts et les faibles, et les dominants et les dominés, comme si c'était l'unique et seule grille de lecture. Et en fait, beaucoup de gens, mais vraiment sur les réseaux sociaux, m'ont martelé ces derniers jours que oui, pour eux, c'était la grille de lecture. Et rien ne les ferait dévier de cette conviction que les Israéliens sont les cow-boys qui sont en train de faire le génocide des peaux rouges palestiniens. Alors que, en fait, la grille de lecture, elle est tellement dysfonctionnante, puisque c'est pas la même histoire, le rapport à la... Enfin, je veux dire, la conquête de l'Ouest... On a beau retourner les choses dans tous les sens, n'a quand même rien à voir avec le sionisme politique et son histoire. En fait, c'est tellement aberrant que ces deux schémas soient plaqués l'un sur l'autre. C'est un tel, à mon sens, appauvrissement de la pensée, une caricature du conflit. Je me pose toujours la question, mais à qui ça sert? Parce que finalement, c'est ça la vraie question de fond. Quand on tient un discours, une idéologie très forte, quand on plaque des images, quand on point godwinise la situation pour marquer les esprits, voilà, quand on critique les Israéliens en prenant soin de faire d'eux des nazis, à quoi on sert, en fait? On le fait au nom, je suppose, d'une volonté de faire avancer la cause juste et légitime et extrêmement importante des Palestiniens. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on parvient à faire exactement
l'inverse. C'est, pour moi, c'est le plus mystérieux. Comment on peut se revendiquer de faire avancer les choses et utiliser des outils politiques et linguistiques qui créent une réalité aux antipodes de ce qu'on prétend défendre. Je vous avoue que c'est assez mystérieux pour moi, mais peut-être est-ce ma propre naïveté, ou certains diraient mon manque de culture de militantisme politique, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment mystérieux de voir de quelle manière on va envenimer une situation en prétendant la résoudre. Parce que cette utilisation des mots et des simplifications fait que, par exemple, moi, interlocutrice dans le débat, qui a priori cherche et croit à la modération, je suis poussée contre le mur. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous forcés, on est tous dans une radicalisation forcée que tu évoquais tout à l'heure. On ne nous laisse plus aucune place pour la modération. Et pour effectivement l'humanité dans sa complexité. Et c'est là où de fait, enfin, moi je pense que cette conversation est importante parce que, enfin, je vais dire quelque chose qui va sonner très démagogique, mais vous êtes l'avenir du débat. En réalité, le débat va se jouer ici et dans les années à venir. Et en fait, la question qui va se poser pour vous, dans le contexte politique qu'on connaît dans le monde et en France en particulier, c'est comment on ne fait pas gagner les discours de radicalité qui ne laissent plus de place à la modération. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et je pense que la responsabilité du langage est énorme. Finalement, on en parlait juste avant avec Amel, on est tous les deux très appelés par la poésie. On cite beaucoup de poésie, mais je pense que ce n'est pas simplement parce qu'on trouve ça beau et joli, mais je crois qu'il y a dans la quête poétique aujourd'hui une fonction politique particulière. En fait, les poètes, c'est les gens qui nous disent « attention, les mots peuvent tuer, les mots peuvent soigner, les mots peuvent dire autre chose ». Et le propre des bascules historiques violentes dans l'histoire, incontestablement, et c'est toujours la même chose, il y a des bascules violentes historiques quand on réduit le pouvoir des mots. C'est ce qu'ont fait tous les fascismes dans l'histoire, quand tout à coup un mot ne veut plus dire qu'une seule chose, ou ne veut plus dire que mon idéologie, quand je ne lui laisse pas la possibilité d'être interprété autrement, quand il n'y a plus de place pour l'exégèse, l'autre lecture, alors oui, on est dans une société violente. Bonsoir. Et merci pour ce dialogue. Alors j'ai trois questions à vous, pardon, je sais pas si on vous entend, à vous poser, Madame Orwiller. Donc vous parlez beaucoup d'empathie, d'écoute, d'universel, non seulement dans vos interviews, mais encore ce soir. Je voulais vous interpeller sur un des tweets que vous avez fait le 30 octobre dernier. Donc vous avez apporté votre soutien à Caroline Forest, qui sur un plateau sur BFM TV a établi une hiérarchisation claire entre les intentions de tuer. Donc, si je résume, pour ceux qui n'ont pas eu la joie de la regarder, mourir, en fait, tué par des terroristes du Hamas, ce n'est pas la même chose que mourir dans un bombardement à Gaza, puisque dans un cas, il y a une intention ferme de tuer, alors que dans l'autre, non. Donc, j'aimerais que vous éclaircissiez ce propos. Est-ce que vous pensez actuellement, on est, je crois, le 27 mars, après 30 000 morts, plus de 30 000 morts à Gaza, qu'il n'y a pas d'intention de tuer des civils. Une deuxième... C'est vraiment trois petites déclarations rapides, comme ça, après, c'est fait. Vous voulez que je réponde au fur et à mesure? C'est plus simple, ou comme vous voulez? Non. Non, 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 mais voilà, moi, je reprendrai simplement la phrase que citait Kamel Daoud il y a un instant. Il n'y a pas de guerre juste, il y a des guerres justifiées parfois, mais il n'y a pas de guerre juste. Et évidemment qu'il faut tous pleurer, hurler, penser comment ça doit s'arrêter, parce qu'il faut que ça s'arrête, et qu'évidemment il faut qu'à un moment donné le feu cesse. Mais il faut aussi être capable d'entendre qu'il n'y a pas de guerre juste, mais il y a des guerres justifiées. Et je pense qu'Israël était justifié dans son entrée en guerre. Et c'est toute la différence, et c'est ce que expliquait, je pense, Caroline Forest, que c'est pas la même chose, effectivement, que cette opération terroriste du Hamas de venir chercher les gens chez eux pour les trucider, les violer et prendre des otages. On comprend très bien que cette intervention-là n'était pas une intervention justifiée, ou alors vous considérez que la fin justifie tous les moyens. Moi, je ne crois pas que la fin justifie tous les moyens, ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que c'est la recette parfaite pour
générer la fin du monde. Donc je crois qu'Israël aujourd'hui a une responsabilité à penser la sortie politique de ce conflit, a une responsabilité à penser l'aide humanitaire, à penser le souci des civils et de tous les innocents dans ce conflit, et à penser évidemment un cessez-le-feu et les conditions de ce cessez-le-feu. Mais je crois que, voilà, effectivement, je pense que ce n'est pas la même chose que l'opération du 7 octobre. Bonjour, merci beaucoup de ce dialogue devant nous, mais aussi avec nous. Moi, je suis responsable associative au sein de l'UEJF, et on a une victoire en ce moment, c'est qu'on parle, on dialogue avec les élèves palestiniens, avec d'autres associations. C'est déjà une victoire en elle-même, je pense. Et bien évidemment, on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà, j'insiste sur le fait qu'on a commencé ce dialogue. Un des freins à ce dialogue, c'est des voix externes qui viennent parfois s'interposer entre nous et qui, d'une certaine manière, empêchent le suivi de la conversation. Comment, parce que là, par exemple, enfin, vous parliez beaucoup de l'altérité. L'altérité, pour moi, c'est un mot, peut-être vous me corrigerez, mais qui incarne peut-être une binarité. Il y a nous et il y a l'autre. Comment on gère quand il y a beaucoup d'autres, quand il y a nous et notre douleur, une douleur avec l'autre? On essaye de créer ce dialogue entre deux, et il y a d'autres voix qui viennent, qui nous entourent et qui empêchent parfois ce dialogue binaire. De qui vous parlez, en fait? Excusez-moi, je ne citerai pas de nom. D'accord. C'est-à-dire des agents politiques qui viennent éventuellement... Notamment. Oui, qui viennent s'infiltrer d'une certaine manière. Et pas forcément. Il m'est arrivé d'être dans le jardin de Sciences Po à parler avec un de ses élèves palestiniens et d'avoir une personne complètement à part venir parler en son nom, ou d'avoir des personnes qui parlent en nos noms, nous, étudiants juifs, ou alors au nom des étudiants israéliens, ou même des personnes qui, sans vouloir saper notre parole, viennent et disent « non, mais c'est pas ça ». Et qui nous empêche de parler. Comment gérer ces dialogues dans ces conditions? En fait, il faut leur retourner à la question que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire lui demander d'où tu parles. En fait, à quel moment, qu'est-ce qu'ils viennent présenter à ce moment-là? D'où parle-t-il? D'où interrompt-il? L'énoncé de votre ressenti. Moi, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu plein de fois ces derniers temps, quand je raconte la montée de l'antisémitisme en France. Je le raconte pas pour faire pleurer dans les chaumières, je le raconte pas pour faire monter la compétition victimaire, je le raconte pas en considérant que je souffre plus que quelqu'un d'autre. Je raconte juste ce qu'est ma vie depuis quelques mois et celle des gens de ma communauté, à savoir en vrac, avoir la visite de la police qui vous demande d'enlever le nom de votre boîte aux lettres, choisir des pseudos parce que vous ne pouvez plus commander un taxi avec votre nom, demander à vos enfants d'enlever un signe religieux qu'ils ont autour du cou, avoir des gens dans ma communauté qui n'osent plus appeler leurs enfants au parc parce que leur nom est trop identifié comme juif. Enfin, toutes ces espèces de stratégies qui racontent quelque chose d'un peu invivable. Voilà. Je le raconte encore une fois. Pas en considérant que je suis la seule à souffrir, hein, que, bien entendu, mais parce que je le raconte comme citoyenne française. Voilà ce qui m'arrive en 2023-2024 et dont mes concitoyens doivent être informés. Et je reçois non-stop en retour des interventions de gens qui me disent « Quid de la douleur des Palestiniens ?» Et elle est extraordinaire, cette phrase en retour, parce qu'elle suggère au choix que je ne serais pas sensible à la douleur des Palestiniens, qu'elle me laisserait indifférente, ou alors que seuls les Palestiniens et leurs souffrances justifieraient qu'on en parle, mais toutes les autres ne mériteraient pas d'être racontées. Ou alors, troisième possibilité, leur intervention suggérerait que la douleur des Palestiniens, réelle, justifie que mes enfants soient sous protection policière. Je ne sais pas, mais quelle est donc cette logique-là? Qu'est-ce qui justifierait qu'on m'oppose cet argument parce qu'on expose ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous semblez raconter ce qui se passe dans votre conversation dans un jardin ici magnifique de Sciences Po? C'est que, si je comprends bien, chacun d'entre vous est en train de dire quels sont en cet instant ses deuils, les failles de son existence, pas du tout pour dire, comme une compétition un peu virile, les miennes sont plus grosses que les tiennes. En fait, on est vraiment dans un moment où il faut pouvoir partager et faire entrer en résonance nos faillibilités, nos vulnérabilités. Et dès qu'intervient dans la conversation quelqu'un qui veut les faire taire au nom d'une compétition des douleurs, alors effectivement, là, c'est un conversation stopper, comme disent les Américains.
C'est-à-dire que ça s'arrête là, ça s'arrête là. Oui, alors je vais reprendre du coup ma deuxième question. Ça va être très rapide, ces deux autres déclarations. Vous dites donc... Vous avez bien bossé, hein, vous êtes allé, vous êtes dit, oui, je vais chercher sur Twitter. Je vous écoute avec attention. Donc, vous dites, et vous avez encore dit ce soir, que les 8 mai après le 7 octobre vous ont terrassé. C'est le mot que vous avez employé dans Le Monde. Et pour vous, en fait, quand on dit 8 mai, c'est le signe que ce qui précède avant le mai est insincère. Donc, par exemple, si non, je... Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas insincère. Ou alors qu'il y a une volonté de contextualiser ou de relativiser. Oui, de relativisation ou de minorer l'empathie avec l'autre. Bien. Alors, vous avez dit dans une interview au Monde, là, à propos de ce qui se passe à Gaza, la mort de tous ces enfants est un drame absolu, mais il y a quelque chose de lâche et troublant dans cet appel au cessez-le-feu et puis c'est tout. Je veux bien appeler au cessez-le-feu, mais il faut poser la question de la sécurité, etc. Donc j'aimerais que vous reveniez sur cette déclaration et sur ce « oui, mais ». Et une dernière chose sur l'effort contre le faible. Sur... Décidément, vous êtes... c'est par petits bouts. mon « mais », effectivement, n'a aucun sens dans cette phrase. Et encore une fois, je pense qu'il est typiquement une illustration d'un moment où il faut pouvoir dire « et ». Voilà. Et évidemment, et il faut appeler au cessez-le-feu, et simultanément, et ça je l'ai dit de mille manières dans plein d'interviews que j'espère vous avez également consultées, que je pense que cette question du cessez-le-feu n'est absolument pas déconnectable de la question des otages et de la question de la sécurité des Israéliens, dans la mesure où le Hamas n'a cessé de répéter encore et encore que dès que cela lui serait possible, il répéterait l'opération du 7 octobre. Donc, évidemment qu'il faut un cessez-le-feu, mais s'imaginer que abracadabra, il pourrait arriver en cet instant sans qu'il y ait une libération des otages immédiate et également une réflexion sur la sécurité des uns et des autres et la protection des civils de part et d'autre demain, ça me semble très naïf politiquement. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence et votre appel au dialogue, ce qui est quelque chose de très important. Et moi, je pense qu'il faut dialoguer avec tout le monde, c'est vraiment essentiel, surtout dans ces temps difficiles. Mais j'ai quand même l'impression que le dialogue se ferme et que beaucoup de gens se ferment au dialogue. Donc comment est-ce qu'on fait pour dialoguer avec des gens qui ne veulent pas ? Parce que, comment on fait avec quelqu'un qui ne veut pas écouter et qui ne dialogue pas, ou avec des groupes qui ne souhaitent pas dialoguer? Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup confrontés à ça. Enfin, on l'a vu ces derniers jours au sein de Sciences Po, même depuis plusieurs mois. Le dialogue se ferme, donc comment le réouvrir? On n'a pas de formule magique, j'adorerais qu'on en ait une. Moi, je pense qu'il y a une urgence à réhabiliter l'histoire avec un grand H, mais vous ne pouvez pas effectivement le faire de force vis-à-vis de quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler. Moi, je suis très troublée de voir, de part et d'autre, un peu partout, des gens, des jeunes ne fonctionner qu'au slogan, ne pas être du tout intéressés à ce qu'on leur raconte l'histoire de ce conflit. Et finalement, à être beaucoup plus intéressé par sa formulation sous forme de clichés et de slogans. Donc en fait, je ne réponds pas du tout à votre question, et j'en suis consciente, je ne sais pas comment on peut inviter les gens, en fait on ne peut pas les inviter à de la subtilité s'ils ne sont pas conscients des sédimentations et des strates de leur histoire, que ce soit des strates historiques ou encore une fois des strates fantasmatiques de leur histoire. Et alors je ne sais pas si toi, Kamel, tu as une solution plus pragmatique, mais à part la culture du débat et la connaissance de l'histoire, on n'a pas tellement d'autres armes. Je pense qu'aussi il y a une piste à creuser, du moins c'est ma propre méthode, c'est la constance, c'est continuer à réfléchir à haute voix, c'est ne pas être enfermé par le besoin de conviction qui se déclare chez l'autre. Vous savez, quand vous faites beaucoup de conférences, de temps en temps, vous tombez sur des cas extraordinaires.
la personne qui ne vous aime pas, vous le savez immédiatement, qui lève la main, qui pose une question, et à partir du moment où vous commencez à répondre, qui sort de la salle. Ça m'est arrivé. Et donc, j'avais toujours le choix entre me taire pour ne pas perdre. Je me dis, bon, il est là pour poser une question et partir. Monsieur Kamel Daoud, comment justifiez-vous le fait que vous soyez le traître de votre communauté ou de votre racine ou de votre pays d'origine? Et puis, il s'en va. Mais je réponds quand même. Je réponds, je continue. Je pense que la constance est essentielle. Je pense que la bonne foi est meilleure que la foi. C'est-à-dire, il faut continuer à expliquer, il faut continuer à dire, il faut continuer à essayer de penser à haute voix. Il faut prendre en considération la position de l'autre, y compris dans sa surdité, et continuer. C'est ceux qui font les choses qui aboutissent. Ceux qui ne font rien, ceux qui ont des convictions, ceux qui viennent juger telle personne pour telle déclaration pour ensuite rentrer chez eux, cela ne libère ni la Palestine, ni le débat, ni le réel, ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'il faut être dans la constance, il faut être dans la conviction un peu modeste que au moins je dis les choses telles que je les pense et je les corrige parce que je les dis à haute voix. Et je continue ainsi. Je ne suis pas d'accord avec ce que pense et dit Delphine. Nous sommes deux êtres vivants différents, deux subjectivités, deux parcours. Rien n'a été fait pour que nous puissions nous rencontrer, nous parler, etc. Et pourtant, elle est là et je suis là. Et je dis ce que je pense et je m'aide à penser ce que je pense en l'écoutant, d'une manière ou d'une autre. On laisse toujours une trace chez l'autre, sauf s'il est mort. Et donc, la constance. C'est un syndicaliste algérien qui m'a dit ça quand j'avais 22 ans. C'est une phrase qui m'a marqué aussi. Finalement, j'ai 4 ou 5 phrases qui m'ont marqué. Il m'a dit, parce que je lui ai reproché la trahison de certains étudiants dans notre syndicat qui n'étaient pas là, qui venaient juste pour la banderole et la photo, et puis qui partaient, il m'a dit... C'est l'action qui fait la décantation. Quand on fait des choses, on avance, ça se décante. Mais quand on ne fait rien, eh ben, c'est le rien qui prévaut. C'est le rien qui gagne. Et ce sont les contradictions qui restent là insolubles. Est-ce que j'ai un conseil à vous donner? Peut-être pas. Je ne me permettrai pas cette vanité. Mais je vous dis, moi, comment j'opère? Moi, je continue à réfléchir à haute voix. Jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'à la dernière heure, je continuerai à être ce que je suis parce que j'estime que ma vie est importante, ma subjectivité est importante, mon parcours est important et j'essaie de le partager avec les autres. Et mon histoire collective et mon histoire individuelle sont importantes et j'essaie de le partager. Il y a des questions par là, je pense. Je pensais aussi transposer votre question à un autre domaine complètement de ma vie. Je ne sais pas si ce sera pertinent pour vous. Moi, je me rends compte que pendant des années, j'ai lutté contre une résistance extrêmement forte dans mon métier de femme rabbin, face à moi, des gens qui n'avaient en fait aucune envie que j'existe comme dans ma fonction. Et pendant longtemps, qui, en fait, d'une certaine manière, me posaient une question et quittaient la salle sans me permettre... d'exercer ma légitimité dans ma fonction. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression que j'étais enragée, que j'essayais de démontrer que j'avais quand même le droit, que c'était mon avis. Et à un moment donné, c'est étrange, mais j'ai compris, d'une certaine manière, c'est comme la constance dont tu parles, que leur questionnement, le fait qu'ils m'invitaient à douter de ma légitimité, était en fait ma force. Et que plutôt que de lutter pour prouver ma légitimité, le doute... qu'il me permettait d'avoir, ça peut sembler paradoxal, est ce qui m'a fait grandir. Et très souvent, je me rends compte que la différence entre mon interlocuteur et moi, quand je suis dans une guerre idéologique avec quelqu'un, bien souvent, la différence entre mon interlocuteur et moi, c'est que lui est sûr d'être complètement légitime, et moi, je ne suis pas sûre d'être complètement légitime. Et ce qui pourrait être une vulnérabilité fait grandir votre intelligence, à mon sens, et peut devenir... votre force, aussi paradoxale que ça puisse sembler. Bonsoir, merci beaucoup Kamel Daoud et Delphine Horwiller pour cet échange. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir en parler autrement et de ne pas être dans des discours rhétoriques et des narratifs extrêmement accusatoires et fatigants, éreintants émotionnellement? Donc ça, je pense, collectivement, nous fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup pour vos mots. Je suis tellement d'accord avec énormément de choses que vous avez dites et je ne saurais pas par où commencer, mais j'aimerais revenir sur, euh,
sur ce que vous avez dit sur la question de l'empathie universelle, qui est une question très forte et essentielle. Intellectuellement, conceptuellement, philosophiquement, on peut, et j'estime comme vous, que l'on doit avoir une empathie égale pour tout le monde, pour toutes les victimes, en tout cas s'y efforcer. Et pourtant, très naturellement, si ma grand-mère meurt, j'aurais plus de peine que si ta grand-mère meurt. Et c'est le fameux kilomètre émotion. Et ma question, c'est donc, peut-on vraiment sortir, s'extraire de sa subjectivité, ou est-ce que c'est simplement une vision rhétorique qui a du mal à s'incarner organiquement? C'était ma première interrogation, puisqu'on est dans le doute ce soir, donc on doute tous ensemble. Et ma deuxième, c'est, vous avez aussi beaucoup parlé de penser contre soi-même, et voilà, en tant que juif qui a de la famille en Israël, qui participe à toutes les marches contre Netanyahou depuis des années et des années, et qui en même temps ont perdu des gens dans la guerre, le 7 octobre, j'essaye voilà, de m'y employer régulièrement, quitte à avoir des discussions houleuses avec les miens, mais face à l'hostilité tellement profonde, tellement viscérale de gens qui veulent nous voir disparaître, je me suis perdu dans ma question, et je vais conclure, ouais. Que la critique contre les siens devient plus difficile. Bah c'est ça, c'est-à-dire que en fait, comment on fait pour conserver un regard critique, une remise en question perpétuelle de soi, et en même temps essayer de rester unis et de faire face, quoi. C'est-à-dire jusqu'où on peut s'altérer sans s'abîmer et sans se perdre. Voilà. Pardon pour cette question très longue. Écoutez, la question de la subjectivité, je ne pense pas, enfin, du moins à mon humble avis, que l'on doive l'évacuer. Ce n'est pas un appel venant de ma part à dire non, on va dépassionner, on va mettre de côté la passion parce qu'elle est irrationnelle. Je pense que le mieux, c'est d'en prendre conscience. Quand vous voyez en Algérie, par exemple, certains voir dans le sort des Palestiniens un remake de ce sentiment anticolonial de la guerre d'Algérie, vous voyez toute cette matrice qui est réactivée par le sort des Palestiniens, j'entends, j'essaie de déchiffrer. Je ne vais pas dire aux autres, non, oubliez cette histoire, elle les a construits. C'est une histoire nationale, c'est un récit, c'est un mythe, c'est une matrice. Mais il faut en prendre conscience pour que ça ne soit pas un biais inconscient qui fait que ça fausse notre perception des choses. À un moment, je me suis posé cette question, j'avais 22 ans à peu près, et je me suis dit, mais pourquoi les Israéliens tiennent-ils à cette terre-là? Pourquoi il y a cette sorte de ce qui est vu de l'autre côté comme sorte de surdité au reste de la souffrance des Palestiniens, etc. Et bien sûr, j'ai grandi avec ces images-là. Ce sont des colonisateurs, ce sont des voleurs de terre, ce sont des voleurs de pays, etc., etc. Je ne m'interrogeais pas. Il a fallu du temps et de la littérature, c'est-à-dire de l'art, pour que je me permette de penser l'autre, sans justifier ce qu'il pense. Mais je me dis, si j'étais de l'autre côté, quelqu'un qui porte l'histoire millénaire de l'éparpillement, de la dépossession, de la traque, des pogroms, de l'extermination, comment voulez-vous qu'il réagisse lorsque, pour une fois, depuis 3000 ans, il a un bout de terre? Alors, est-ce que je demande aussi à l'autre d'évacuer sa sensibilité? Non. Je me suis un peu accroché avec un de mes amis dernièrement qui me disait « Oui, mais tu vois, c'est toute notre histoire, nous, Algériens, Tunisiens, Marocains, c'est l'histoire de la colonisation. » Je dis donc, pourquoi vous vous permettez, vous, de justifier une vision par une subjectivité et vous interdisez la même logique subjective à l'autre? Alors, est-ce qu'il s'agit d'évacuer à mon humble, enfin, pour mon humble personne? Non. Je crois qu'il s'agit d'en prendre conscience. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer l'autre dans sa propre logique. Dans les livres que j'écris, j'ai toujours eu une fascination pour l'autre, dans le sens où on se met à sa place. L'autre, c'est la seule métaphysique que l'on peut toucher de la main, pour paraphraser Romain Gary à propos de la mer. L'autre, c'est la seule rencontre qu'on a. Il n'y a rien d'autre. Les extraterrestres n'existent pas. Dieu, c'est une question de choix. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que vous existez et j'existe. Alors, dans notre solitude cosmique, il n'y a que nous deux. Il n'y a que nous deux, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tout le reste, c'est de la théorie, de la foi, des visions, des psychotropes, des drogues, ou des livres, ou des miracles. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que maintenant, si vous marchez vers moi et je vous touche, vous existez et j'existe. Donc,
c'est la seule aventure possible, c'est d'imaginer l'autre, de concevoir sa façon de voir, sa singularité et sa différence. Il n'y a pas d'autre aventure, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que nous, et nous sommes seuls, et nous n'avons pas de mode d'emploi pour vivre ensemble. Donc, le biais de l'autre, sa subjectivité, non, je ne demande pas que ça soit évacué. Je demande à ce que ça soit assumé, dit et dépassé. Quand Dostoïevski écrit des romans, quand nous lisons Lolita de Nabokov, quand nous lisons d'autres romans de Proust, nous avons cette possibilité extraordinaire que nous offre l'art et la littérature, c'est d'avoir une seconde vie, une altérité vue de l'intérieur, une aventure incroyable, deux vies, ou trois vies, ou quatre vies, ou cinq vies, etc. Donc non, l'autre, on le prend tel qu'il est. L'autre, on l'écoute tel qu'il est. L'autre, on essaie de le déchiffrer tel qu'il est. L'autre, on l'aime tel qu'il est. L'autre, on se met à sa place, vraiment à sa place. Et on essaie de transcender. Et on essaie de penser encore plus et d'aller encore plus loin. Donc non, l'autre, c'est son histoire aussi. Donc il faut essayer de la déchiffrer, de la comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai essayé de le faire. Voilà. Je vais redescendre. C'était magnifique ce que tu viens de dire. Mais pour la deuxième partie de la question, j'étais en pleine empathie aussi avec vous parce que je vois très bien ce dont vous parlez. C'est-à-dire que parfois, je me rends compte, moi, que la caricature extrême que font certains de la politique israélienne, encore une fois extrêmement critiquable, mais ce dont je parlais tout à l'heure, la point godwinisation du débat, fait que je me retrouve parfois moi-même, et j'en veux à mon interlocuteur, et je m'en veux à me retrouver dans une situation de défense, en l'occurrence d'un gouvernement pour lequel je n'ai aucune sympathie. Ça fait effectivement, depuis leur arrivée au pouvoir, que nombreux sont mes amis qui défilent au quotidien ou chaque semaine en Israël contre ce gouvernement et la menace qu'il constitue pour la démocratie israélienne. Et au-delà de ça, je pense qu'il nous faut encore, et peut-être plus que jamais, dénoncer les dangers du messianisme qui est à l'œuvre partout dans nos discours politiques et religieux aujourd'hui, cette volonté de précipiter la fin du monde dans les discours politiques et religieux est omniprésent. Elle amène au pouvoir bientôt sans doute de retour au pouvoir Trump aux États-Unis. Elle précipite l'islam radical vers une vision messianique de fin du monde et l'extrême droite juive en Israël dans la même direction. Et en fait, moi je pense, mais là maintenant c'est une parole plus rabbinique que je vous adresse, je pense qu'il faut repenser ce que serait un messianisme positif pour notre temps, pas celui qui précipite la fin du monde, mais celui qui a porté les plus grands espoirs politiques à travers les siècles. Ne pas laisser ces fous furieux pyromanes religieux et politiques kidnapper le messianisme pour faire exploser notre univers, mais recapturer ces notions pour construire avec elles un espoir d'un autre lendemain. En fait, c'est ce qu'on a toujours fait pour que les temps changent. Donc, d'une certaine manière, voilà, c'est un combat politique et religieux au sens noble du terme qui doit nous pousser à ne pas hésiter à critiquer les nôtres, à trahir, comme le disait Kamel. Si on peut grouper les questions pour finir un petit peu à l'heure. Je vous dis bonsoir, Monsieur Daoud. En fait, je suis étudiant dans un de vos cours, donc sur la guerre d'Algérie, la guerre imaginaire en Algérie contre la France. J'avais une première question qui était plutôt courte sur la manière dont le conflit israélo-palestinien avait reforgé votre compréhension de la guerre de libération en Algérie, et une deuxième question qui était plutôt sur une de vos citations que vous avez utilisées pendant votre intervention, qui était sur la manière dont les grands engagements attiraient les petites personnes ou les petits esprits. Et la manière dont j'ai perçu cette citation, c'était plutôt une relativisation de l'agentivité des personnes qui militaient pour la cause pro-palestinienne en soi. Et, la relativisation, pardon ? De l'agentivité. D'accord. Des personnes, par exemple, en parlant de mon point de vue étant franco-algérien aussi de banlieue, et avec ma camarade qui est aussi franco-algérienne de banlieue, on a l'impression que vous relativisez beaucoup notre agentivité par rapport à nos identités prétendues et par rapport à un islamisme qui est inculqué dans nos
foyers familiaux, ce qui n'est pas certainement le cas pour tout le monde, je pense. Ce sera tout. Écoutez, je ne me permettrai jamais de relativiser la passion et l'engagement des autres. Je dis ce que je pense sur les prises de parole radicales, celles qui excluent l'autre. Je ne doute jamais, et je l'écris à chaque fois, à chaque semaine dans Le Point, quand je traite de ce sujet, quand je dis les grandes causes finissent par attirer les petits esprits, je ne dis pas que tous ceux-là qui défendent une cause sont de petits esprits. Les choses soient claires. On peut défendre une cause parce qu'on y croit, parce qu'on est passionné, parce que ça touche notre subjectivité, notre histoire collective, familiale ou personnelle. C'est tout à fait légitime. Mais de par mon expérience, j'ai vu aussi que les grandes causes, quand ça dure trop longtemps, s'y greffent des gens qui la prennent en otage, des gens qui viennent dicter leurs propres paroles. Et ce que je voulais dire, c'est appeler à la vigilance. L'engagement ne doit pas signifier l'exclusion. S'engager, ce n'est pas exclure l'autre. S'engager, c'est aider à comprendre, c'est aider à se faire comprendre, c'est aider la tierce personne qui ne peut pas être aidée. C'est pour ça que je me méfie de certains mots. Peut-être c'est le biais d'un Algérien qui a vécu en Algérie pendant longtemps. Je n'aime pas le mot solidarité. Parce que chaque fois que je vois des gens solidaires, je ne vois qu'un folklore. Et permettez-moi d'avoir de la subjectivité. Je ne vois que des gens qui essayent d'être dans l'évitement de leur réel. Je ne vois que des gens qui essayent de surcharger le Palestinien de tous ceux-là qui n'ont pas réussi dans leur propre pays ou par leur propre histoire. Donc je ne juge pas de l'engagement des autres. Je crois que l'on peut s'engager. Je suis engagé d'une manière ou d'une autre pour d'autres causes, pour cette cause ou pour, au moins, la vie de mes enfants. Donc je ne suis pas quelqu'un de désengagé. N'empêche que j'alerte pour l'avoir vécu sur le fait qu'on peut prêcher l'amour avec haine, comme disait Gorky. On peut trouver des gens qui sont là, non pas pour aider, mais pour assouvir leur haine. Et je pense que dans votre engagement, vous en avez croisé. Des gens comme ça qui sont là, qui prennent en otage une belle cause, une cause juste, et on sent chez eux, non pas le besoin d'aider, mais quasiment le besoin d'assouvir quelque chose en eux, quelque chose de mal, quelque chose de... qui n'est pas propre. Donc ils sont là pour crier, pour cracher, pour insulter, pour exclure, et puis repartir. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je reste méfiant, peut-être aussi par pragmatisme, parce que j'ai été marqué par la guerre civile où j'ai vu des convictions et des engagements tués. Donc je reste un peu dubitatif. La deuxième question, c'était... Alors, on va peut-être prendre encore une dernière question, parce qu'il est 52 déjà. Je vais faire très vite. Donc deux questions, une question pour nous inviter, une question pour l'institution. La première, c'est peut-être pour clôturer, comment faites-vous pour garder la voix, pour résister, alors que parfois tout se mélange, tout devient brouillard, notamment dans mon cerveau, où j'ai du mal à tout comprendre, tout analyser, tellement qu'il n'y a pas des voix claires, un peu comme les vôtres parfois. Et la deuxième, qui est peut-être plus politique pour l'institution, est-ce que vous allez, dans ce cycle de conférences ou d'autres cycles, inviter Madame Florence Bergaud-Bacler, qui, je crois, elle aussi s'est beaucoup engagée et qui peut-être mériterait d'avoir une voix. Merci. Je réponds. Tu réponds. Comment continuer? C'est un peu votre question. Comment continuer? Comment essayer de... Je ne sais pas. Pour chacun, c'est différent. Pour moi, je fonctionne sur un slogan, malheureusement, ce que j'ai dit tout à l'heure, la bonne foi est meilleure que la foi. C'est-à-dire, j'essaie de réfléchir. Et je pars d'un principe très simple pour répondre à l'un de mes étudiants. C'est que je ne me pose pas la question, est-ce que c'est l'autre qui a tort? Je me pose la question, comment je peux aider vraiment? Est-ce qu'au fond, cette envie d'aider, est-ce qu'elle est là pour assouvir une vanité, de ma part, une image de moi-même, un self, comme on dit? Est-ce qu'elle est là par besoin de m'imposer aux autres? Ou est-ce que je suis vraiment dans l'empathie et j'essaye d'aider les autres, même à des milliers de kilomètres? Et comment je peux le faire? Alors, moi, je pars sur un principe très simple. La sincérité, la bonne foi, la réflexion ouverte, l'écoute de l'autre, et puis, je suis en train de définir la vie de chacun, c'est-à-dire la vie dans sa fécondité. Et je continue. Je peux avoir tort, je peux avoir raison. Très simple. À 20 ans, j'ai compris qu'on aime plus le Palestinien mort et blessé que vivant. À 30 ans, j'ai compris que le mot solidarité cache au fond une démission, parfois sincère, assumée, et parfois elle est inconsciente. Que faisons-nous? Après, je me suis posé, et j'ai écrit ce genre d'article, je me suis dit, pour aider le Palestinien, commençons par nous aider nous-mêmes, construisons nos propres pays, nos propres démocraties. Comment voulez-vous que je puisse rêver de la liberté pour le Palestinien, et j'en rêve, alors que je n'arrive même pas
avoir la liberté dans mon propre pays? Est-ce que ce n'est pas une stratégie d'évitement? Donc j'essaie de réfléchir ces choses-là. J'essaie de réfléchir l'autre dans sa différence, dans son histoire, dans son biais, dans sa subjectivité. Et j'essaie d'avancer. La vie m'a été donnée pour réfléchir, pas pour avoir des convictions définitives. Donc j'essaie de continuer. Et au pire, quand je me regarde devant la glace, je me dis, je suis au moins sincère. Et puisque personne ne peut mourir à ma place, personne ne peut réfléchir et penser et vivre à ma place. Donc je continue à réfléchir de cette manière-là. Peut-être qu'à la fin, je vais me déclarer coupable, mais je le ferai avec sincérité. Peut-être qu'à la fin, je vais dire que Kamel Daoud, c'est un lâche, mais je le ferai avec sincérité. J'aurai eu toute une vie pour pouvoir me dire cette vérité en face. Donc au fond, comment résister? En continuant. En continuant à réfléchir d'une manière intègre, sincère, dans l'éthique et dans l'écoute. Peut-être que la critique de l'un de mes étudiants, elle est constructive. Peut-être qu'elle m'interpelle sur ma formulation. Peut-être que je généralise par subjectivité, par colère, par déception. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il a tort. Peut-être que je suis vivant. On a tout un semestre pour échanger. Et c'est ça ce qui est utile. C'est ça ce que nous permet ce pays-là. C'est de pouvoir échanger. Parce que dans d'autres pays, il aurait été un général, j'aurais été en prison. Ou le contraire. Je l'aurais tué parce qu'il est différent. Il m'aurait tué parce que je suis différent. Ce qui se passe de l'autre côté du réel, là où les gens meurent, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en dispenser uniquement par un jeu de conviction et de position. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui nous interpelle. Mais il faudrait aussi que nous assumions notre responsabilité pour que ce problème-là ne déborde pas ailleurs et qu'il ne vienne... Qu'est-ce qu'on veut au fond? On veut qu'il y ait une Palestine, un pays qui s'appelle Israël, et aussi un pays qui s'appelle la France, et un autre pays qui s'appelle l'Algérie. L'autre option, l'option B, c'est qu'il n'y aura plus à un moment ni Israël, ni Palestine, ni l'Algérie, ni la France. À nous de choisir. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous demander de les remercier. Nous devons, puisque nous sommes une université, laisser la place pour le prochain cours. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci Delphine, merci Kamel. Merci à vous.